Ça ne sert plus à rien d'aller acheter même les avions. De réunir des gens et les nourrir et les faire boire. Prenez soin d'eux. Ils ont pris soin de nous. Mais comment? Ce Père s'assurait que nous avons everything. Tout ce que nous avons besoin. Même dans notre vieillesse. Je suis un vieux, j'arrive, je rentre tard, il m'appelle et dit tu es où? Il dit mais pourquoi tu es vieux? Il dit que je prends soin de toi. À son âge. Je vous en prie. Il y a beaucoup de parents ici, il y a beaucoup d'enfants ici, et je vous le dis. Le moment d'enterrer nos parents, c'est quand ils sont vivants. Donnons-les tout ce qu'ils ont besoin. Maman, papa, c'est là où vous portez vos bénédictions. Ce n'est pas parce que, c'est pas quand ils sont dans un cercueil que vous allez faire des miracles. L'UCJ a chanté des vanités et des vanités là. Je vous dis merci pour ce chant. Donc je vous dis merci. Je vous en prie, continuez à nous soutenir pour que nous puissions soutenir notre maman. Son grand compagnon est parti. Ça sera dur pour elle, mais nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour lui donner ce dont elle a besoin. Donc aidez-nous pour cette tâche. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ce moment. Quelques heures, très tôt le matin, nous allons nous déporter à Banyoun, Babazou, où nous allons encore lui rendre hommage et lui dire au revoir. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu continue à être avec nous, et que ceux qui sont venus ici, que Dieu vous conduise dans sa paix, dans vos domiciles respectifs. Merci, pasteur. Merci. Sinaï. Jésus, il y avait beaucoup de choses qui pouvaient les accaparer. Aujourd'hui, il y a un accord de ce que Jésus avait déjà donné aujourd'hui. Il y a les jeux, il y a les cantines, les réunions, les funérailles, beaucoup de choses qui peuvent faire en sorte que nous soyons oubliés de la qualité de soigner, la qualité de notre relation avec Dieu. C'est ça, dans une certaine mesure, perdre sa vie en lui, perdre nos élans égoïstes, nos pulsions charnelles, nos pulsions perverses, pour laisser Dieu être le moteur de notre existence, afin que nous soyons capables de produire les résultats qu'il attend de nous, afin que nous soyons capables d'accomplir notre destinée dans ce monde, afin que nous soyons capables d'aimer de manière adéquate ce qu'il a placé autour de nous dans ce monde. Dieu veut nous aider à vivre dans l'amour véritable qu'il attend de nous. Mais nous devons tout simplement lui en manifester le désir. Parce que Dieu ne s'impose pas. Dieu se propose. C'est aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Nous avons dit que le jugement de Dieu est un séquentiel. Même dans ce monde, nous recevons déjà des parts, des fruits de ce que nous produisons comme eux. Dieu nous juge en attendant le gros lot qui viendra à la fin des temps, le gros du salaire. Donc quand nous faisons le mal, il peut nous arriver de recevoir en quelque sorte l'avance de solde dans ce monde, en attendant le gros du salaire, le jour du jugement. Mais ce que Dieu, ce que le Seigneur, notre Créateur, celui qui nous entend, celui qui a payé le prix fort, c'est que nous saisissions la main qui nous tend, la main qui nous attendait à travers son ticket déjà. Aujourd'hui même, si tu veux accueillir cette bonne relation avec ton fils en Jésus-Christ, et il deviendra le même. Il va répondre son amour dans la vie, et il va la connaître pour nous aider. C'est la plus possible que Jésus a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce sera bon.
Aujourd'hui, comme elle a vu le monde de l'œil. On se couche et on gagne chaque jour. C'est l'amour, c'est riche en ton amour. Nous allons ici dans ma vie. Viens-moi regarder, viens-moi habiter, viens-moi où Jésus vient combler la vie dans ma vie. Viens-moi. Engager résolument, Seigneur, à nous constituer comme des instruments pour la vie. Seigneur, que ces départs douloureux pour nous nous engagent, Père, à être des instruments entre tes mains pour apporter la vie et la vie en abondance que tu veux pour tes enfants. Sois donc au milieu de nous. Conduis-nous, ô Père. Seigneur, nous voulons te confier tout cela qui passe par des moments de deuil et de tristesse, afin que ta consolation soit aussi notre partage. Dieu de notre salut, nous te présentons la suite de ces obsèques. Seigneur, que ces obsèques se déroulent dans la paix, la dignité qui convient à tes enfants. Nous voulons te prier, Père. Toi qui restes demain, le père des orphelins, le mari des veuves, de t'occuper, Seigneur, de ces personnes qui ont connu de manière un peu plus pauvre. Et donne-nous aussi, à travers son départ, de nous préparer à ta rencontre. Dieu de notre salut, reste avec nous. Soutiens tes enfants qui vont se déplacer de divers lieux pour ces obsèques, notamment pour le lieu d'inhumation à Bagnouille. Que le sang de ton fils Jésus-Christ les couvre et que tout incident soit écarté de leur chemin. Père, que tous ceux qui vont se déplacer puissent rentrer, Seigneur, sous ta garde attentive. Toi qui es notre haute retraite, notre abri, Père de puissant, étends ta main de grâce sur nous et fais échec aux œuvres et aux manœuvres des pouvoirs des ténèbres, des forces d'obscurité. Donne-nous de lever tous les yeux vers toi, Seigneur, pour que, espérant tous en toi, Dieu vivant, que nous puissions repousser au loin les forces des ténèbres
que ces ténèbres s'enfuient au milieu de nous, que ces ténèbres s'enfuient, Seigneur, au sein de nos cités, que ces ténèbres s'enfuient dans notre nation, pour que ta lumière nous éclaire de plus en plus jusque dans les coins les plus reculés. Père, que notre nation devienne, Dieu Tout-Puissant, ce Dieu de paix, paix, Seigneur, que nous invoquons pour toute ta création. Rocher des siècles, reste avec nous. Au nom de Jésus-Christ, qui nous a appris à te dire. Et de la suite des obsèques demain, à 5h30, ce sera à la suite de cette veillée, le départ du cortège funèbre village Bagnone, Babazo, 15h arrivée, installation de la dépouille dans son domicile. 9h lamentation, suivi de la veillée jusqu'à l'aube. Samedi, 7h arrivée, installation des différentes délégations. 9h témoignages, 11h inhumation dans la stricte intimité familiale. À 12h, ce sera la collation et les funérailles suivront bien plus tard. Écoutons à présent cette exhortation avant de recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Notre Dieu, notre Créateur, celui-là qui nous aime plus que quiconque dans ce monde et qui a payé le prix fort pour manifester cet amour, nous invite ce soir à entretenir une relation convenable avec lui, à entretenir une bonne relation avec lui pour que nous ayons la volonté, pour que nous ayons l'incapacité de manifester l'amour qu'il attend de nous dans ce monde. Recevons la bénédiction de sa part. Que le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, tourne son regard sur vous, qu'il vous enveloppe dans son projet d'amour, que sa force et sa puissance se manifestent sur vous à cet effet, que sa paix et sa consolation demeurent avec vous. Amen. Est arrivé.
C'est fini comment? C'est sur comment? Je suis un enfant là, maintenant rien ne suffit. Entre une école et une seconde,
Mabu amen bumbang vichamen zang zodun don chonga.
Rien que ton petit commérage que tu fais dans mon dos, rien que ton petit coup bas que tu fais dans mon dos, non, mais quoi, cabot, nous, moi, mais ma bonne fille, du mot, la sorcellerie vous donne quoi? Rien que ton petit commérage que tu fais dans mon dos, rien que ton petit coup bas que tu fais dans mon dos, non, mais quoi, cabot, nous, moi, mais ma bonne fille, du mot, la sorcellerie vous donne quoi? My younger brother, Bonham, Puno, eh? On your bonham, Bonham, Topon, Queen Mazia, Matka, Wobble, no moon, Bumbo, Faka, Ben Bonham, number crack a bone, no mummy, Mambo, Fingo, la sorcellerie, vous donne quoi? Boulon and young boys, you will choose what the light is, ya. Boulon and young one, you will choose what the light is, Bishon, what the me, Bishon, what the trouble. I'm going to go to the house.